comportement, le Seigneur, maintenant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer fortement le Seigneur, s'il vous plaît? Nazo, c'est la voisine. Est-ce que voisine, on va mettre l'ancien ma boko ma kasi? Est-ce que maman, non, se va mettre à Milolo, on a baigné la culte à l'eau? Merci énormément. Est-ce qu'on peut regagner nos places? Merci beaucoup. Je voudrais que vous fassiez quelque chose avec moi. Si vous pouvez bénir votre voisin de gauche et de droite, dites à votre voisin, sois le bienvenu dans la présence du Seigneur. Et puis sa voisin gauche, apparemment à droite, à qui peut ôter. Et puis sois le bienvenu dans la présence du Seigneur. J'aimerais faire quelque chose très rapidement avant de commencer, avant d'aller très loin. J'aimerais acclamer le Seigneur ensemble avec vous pour cette grâce qu'il nous accorde d'être parmi vous. Avant de l'acclamer, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a de cela plusieurs années, quand j'étais plus jeune, ça même on ne le sait pas, j'étais plus jeune, je pense que mon père m'a pris pour voyager avec moi quand j'étais tout petit. Quand j'avais entre 7 à 8 ans, il m'a même emmené jusqu'en Bougimaï. Et à l'époque, ce n'était que gagnère d'âme. Et tout à l'heure, lorsque une de mes tantes et un de mes oncles ont vu, ils ont vu l'affiche, ils m'ont dit, ah, gagnère d'âme, est-ce que tu sais que quand j'étais petit, on t'a déjà emmené là-bas? À l'intérieur en plus. Et quelques personnes ont vu encore l'affiche tout à l'heure et m'ont dit, moi j'ai été gagné là-bas. Et deux personnes qui sont aux États-Unis, avec qui je prie, m'ont aussi confirmé, ils sont de gagnères d'âme. Est-ce qu'on peut acclamer aujourd'hui le Seigneur pour le travail que le gagnère d'âme a fait pendant des années? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Je pensais qu'on allait se lever et acclamer fortement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes les âmes gagnées par gagnères d'âme? Je sais pourquoi, je vous le demande. Est-ce qu'on peut encore fortement acclamer le Seigneur? Il est digne de cela. Maman Zamba Pamboula, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout le travail? Alléluia. Maintenant, on peut se rasseoir. Merci beaucoup. Je vais faire de mon mieux pour respecter mon temps et je vais vraiment gagner le temps. Mais d'aller très loin. Un homme sage a dit une fois, tu peux être compétent dans plusieurs domaines. Mais dans le domaine du football, peu importe tes compétences, si le coach ne te donne pas accès au terrain, tu vas mourir avec tes compétences. Très souvent, Dieu nous remplit de dons et Dieu passe par des hommes pour nous permettre d'expliquer et d'exprimer cela. Ce soir, j'aimerais respecter et honorer l'onction de l'homme de Dieu, le pasteur béni, pour cette marque de confiance et pour le risque qu'il prend de nous accorder sa chair. Est-ce qu'on peut joindre nos mains en acclamant fortement le Seigneur pour son oint? Ça me va droit au cœur, énormément droit au cœur. Et j'aimerais que vous puissiez m'aider maintenant à acclamer le Seigneur pour l'une des raisons pour lesquelles je suis venu sur terre. Je sais que vous n'aimez pas ces choses, mais j'aimerais insister. Parmi les raisons pour lesquelles le Seigneur m'a envoyé sur terre, c'était de me faire rencontrer avec mon épouse. Alors je voudrais que vous puissiez me permettre d'acclamer le Seigneur pour la vie de ma femme et pour sa présence. Mère, n'allez là au fort. Ata bébé, tu vas voir ma boue bien te. Je me voyais bien à l'ingaro ma casse. Ata va recevoir le bien te. Va y en aller là au fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ma femme? Alléluia. Très rapidement, j'aimerais qu'on incline nos têtes. On va faire cette petite prière en disant Seigneur, Seigneur, parle-moi, c'est ton temps. Agis comme tu as prévu. Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Parle-moi par ton serviteur. Quelqu'un peut-il le faire encore dans la prière? Dites à Dieu, Seigneur, parle-moi. Puis-je t'entendre encore quelqu'un le faire? Nakomi, Yesikoli, Maki, Nakomai, Tangolobaki, Nakoko, Mape, Maeta, Naleki, Salina, Kolai. Wapi zambe abiki sa maladie
dois confier. Moi, pizambe, kamona, bakanga mieux. Moi, pizambe, bate la bison à bon moine. Moi, pizambe, totamana, bibilia. Moi, pizambe, abotissa, bicombaye. Wapitambe amonisa bafegle o Wapitambe abikisa kansero Wapitambe atangisa bafele o Wapitambe abie o abie Nalika ebisa yende tambe na zobu kona kule kwa lino Sala mwosu suma muki Mwoto kesegon, sala mwosu na losambu. Et puis c'est Naël, on a pas quoi, le temps possible de le faire savoir et parler au Seigneur. Yeah. Est-ce que vous pouvez encore bien le faire? Je m'attends à toi, je veux te vivre. Je m'attends à toi, je veux te vivre. Toi le Dieu dont nous ont parlé nos pères. Toi le Dieu de génération en génération pour elle. Alors que je sais la mona le sang, le petit coup de la naine à pourquoi les noms. Je m'attends à toi ce soir. Pas un homme, toi seul. C'est le nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous joignons nos mains en disant très fortement Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Sous cette atmosphère, j'aimerais si vous pouvez vous lever et prendre vos Bibles avec moi pour honorer la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Luc. Je m'en serai dans le livre de Luc, le 7e chapitre. Le 11e verset. La Bible déclare en disant ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. La Bible déclare ceci. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, je répète, voici porté en terre un mort. On allait enterrer un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Je répète, jeune homme, fais quoi? Je te le dis, lève-toi. 15. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Parole du Seigneur. Je disais parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi 3, 16. Généralement, on est habitué à Jean 3, 16. Ici, je vous emmène dans 1 roi 3, 16. La Bible déclare ceci. Alors deux femmes prostituées versent le roi et se prosternèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Je répète, nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous de la maison et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement et je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, je vous saute. Si vous allez continuer à la maison, ce sera une très bonne chose. Je voudrais vous donner un tout dernier texte. Ensuite, on va se rasseoir. L'autre, je vais le réciter. Je suis dans le livre de Malachie, le 3e chapitre aussi.
Malachie 3, le tout dernier verset, c'est le 18e verset. La Bible déclare ainsi. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur en gardant nos places? J'aimerais ici, avant de commencer, avant d'aller très loin, j'aimerais ici acclamer le Seigneur pour toutes les personnes qu'il a placées à nos côtés et pour toutes les personnes qu'il place autour des leaders. Zamba pango la papa, la maman oyo, la jeune nyonso, oyo, peu importe le temps et les circonstances, peu importe les vents et marées, reste à côté des leaders. J'aimerais ici acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui restent fidèles et attentives à la voix de Dieu, mais auprès de leur leader. Et encore, honorer toutes les personnes et tous les hommes de Dieu qui travaillent à côté de Papa béni. Est-ce qu'on peut m'aider encore à acclamer le Seigneur pour tous les hommes de Dieu, pour tous les pasteurs? Aujourd'hui, salam bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous les pasteurs? Pasteur Béni, en lisant très bien les livres de Luc, le 7e chapitre, il se passe énormément de choses, mais Christ doit quitter une ville pour arriver à une autre, et la Bible précise que c'est au moment où il arrive à l'entrée de la ville de Naïn qu'il rencontre une femme qui a perdu son enfant. Mais là n'est pas mon souci est dans le livre de 1 roi. Nous parlons ici de la différence. Mais avant d'aller très loin, j'aimerais ici donner mon sous-thème. Mon sous-thème, c'est simplement Jésus-Christ, l'élément de ma différence. Jésus-Christ, l'élément de ma différence. Pour ceux qui écrivent, écrivez-le, je veux y revenir et je veux m'asseoir dans quelques minutes. Le livre de 1 roi est rempli de plusieurs événements. Mais ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est qu'on nous parle d'un homme appelé Salomon. L'un des rois le plus sage qui existe. Et lorsque l'on parle de Salomon, on nous explique que cet homme était fort riche et béni par Dieu. Mais parmi les locaux, Salomon a sali la vie, c'est que Salomon a bandit au sein à Boyanzambe, une chose que son père n'avait peut-être pas faite. Parce que si vous lisez très bien l'histoire de David, David demande énormément de choses. Et David loue le Seigneur, mais parmi les choses que le roi Salomon fait, qu'il entre dans son royaume, dès qu'il commence à régner, il demande la sagesse auprès de l'Éternel. Et je remercie le Seigneur pour ça. Mais ce qui me fait rire et ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que vous remarquerez que cet homme a eu l'ingéniosité de régler un problème que beaucoup de gens étaient incapables de régler du coup. J'ai lu l'histoire et j'ai appelé Salomon. J'ai voulu que Salomon m'explique un peu l'histoire. J'ai cherché dans la Bible, j'ai voulu voir qu'est-ce que Salomon cachait derrière. Comment Salomon a eu cette sagesse? Il me dit, cher homme de Dieu, n'attends la Bible, menacé ma boigne. Ça m'a fait du bien. J'ai dit, mais est-ce que tu as eu le temps de lire les parchemins? Il a dit, à part le fait de les lire, j'ai prié afin que Dieu m'accorde de la sagesse. Et il me l'a accordé. J'aimerais ouvrir une grande parenthèse en disant à votre voisin, cher voisin, Dieu est attentif à vos prières. Je répète, Dieu est attentif à vos prières. Mais cependant, la Bible me révèle un autre secret par rapport à la sagesse. La Bible me dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. À répéter, la crainte de l'Éternel est quoi? Le commencement de la sagesse. C'est votre voisin que j'aimerais bénir. Voisin, commence simplement à craindre Dieu. Vous cherchez la sagesse, priez, demandez-la. Mais aussi commencez à craindre le Seigneur. Le tour sera joué, vous commencerez. Le bien avec la sagesse, c'est que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mais la crainte de l'Éternel n'est pas la suite de la sagesse. La Bible dit que c'est le commencement. La Bible ne dit pas que c'est la suite. C'est juste le commencement. Celui qui craint Dieu s'expose à la personne de Dieu. Et celui qui s'expose à Dieu s'expose à la connaissance de Dieu. Et celui qui s'expose à la connaissance de Dieu travaille et traverse les limites de sa compréhension. Je répète,
une certaine dimension. Alors j'aimerais que vous puissiez suivre très bien mes bases. Cela va nous permettre de décoller. Et ici, Salomon nous enseigne la sagesse. Et j'ai lu la Bible. J'ai encore relu et relu cette histoire. Et j'ai rigolé. Et j'ai demandé à Dieu, donne-nous la sagesse de Salomon. Mais la réponse de Dieu m'a fait du bien. Et c'est là que j'aimerais introduire mon message. Deux femmes ont donné naissance dans une même semaine, dans une même période. Mais il y a la Bible qui a précisé ce que les deux femmes étaient prostituées. Premier point, prostituées. Deuxième point, deux éléments qui leur ressemblent, qui leur réunissent. Deuxièmement, troisièmement, on dit, pour ceux qui écrivent, premier point, prostituées. Deuxième point, je peux le mettre en parenthèse, mais elles étaient des femmes. Troisième point, elles ont donné naissance à deux garçons. Troisième point, elles avaient une même maison. Les deux habitaient ensemble. Yo kanga très bien. Le premier jour, je suis très bien la prédication du pasteur. Pasteur Béni a posé les bases sur lesquels j'aimerais prendre et tirer mon souffle pour avancer. Le deuxième jour, hier, le pasteur Amos a encore touché le point. La première des choses, on peut tous vivre dans la même maison, mais être très différent. On peut tous ou toutes être femme ou homme et être différent. On peut avoir donné naissance à des enfants dans la même semaine, mais que nos enfants soient différents. Ah. On peut tous être nés le même jour, mais être différents. Donc, cela m'a pas ça, mais nous sommes très différents. Je prophétise au nom de Jésus-Christ pour commencer. À dater de cette semaine et de cette période, Dieu te fait entrer dans une saison de différence remarquable. Pour comprendre ma bienté. Nazo prien sa ma condition na saison, il y a différence remarquable. Boko bota na même semaine, boko vivre na musala na même table, boko sera na même compagnie, mais nazo prien sa ma condition na saison, il y a différence palpable. Ba amen e bandio mata nazo sepela. Quand on met un bosso fond na même ndaku, bo prier na même église, nazo prier que ba différence est la sugo remarquable. Oh, mon tout monde m'amène à bienté. Je suis en train de déclarer que Dieu te fera introduire dans une saison de différence remarquable. Mais lorsque les différences commencent à se faire remarquer, tu peux détecter que cet enfant n'est pas ton enfant. Malgré que pas ça, mais au moins, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je suis en train de prier que Dieu mette la différence dans les choses qui m'appartiennent. Amen, les abiantés. Dans ce prier, il y a des gens qui ont été en différence déjà. Oh, tête, il va faire un monde, c'est là mon corps. Il y a un élément dedans qui fait la différence. La différence. Habitant la même maison, ayant deux garçons, étant de femmes, mais il y avait un problème. Le problème était au niveau du caractère. La tigre nous prostituer dans ce moment aussi. Ce qui m'a inquiété, c'est que lorsque les deux femmes arrivent devant Salomon, Salomon ne prête pas attention à leur état. Salomon prête attention au problème. Salomon ne prête pas d'abord attention à leur état. Salomon prête attention à leur problème. Que ma nafi sur une zambe a commis qu'on exauce yo sans qu'on prête attention à l'état na yo. Ma ke moussika. Et ça te pour une zambe a pêche yo et l'eau au sénat qui est qu'une zambe a sa content na yo.
Et ça te coule au sang pour Les femmes arrivent devant Salomon. Salomon ne prête pas attention à leur état. Il prête attention à leur problème. Il arrive très souvent que Dieu voit l'urgence du problème qu'il y a devant toi. Il t'introduit dans une saison et dans un lieu où tu peux avoir la solution. Mais dès que tu sors de là, Dieu te rappelle ton état. Je répète encore, ton état est très important devant Dieu. Je sais que pendant les 2 jours, les pasteurs ont touché à cela. J'aimerais survoler le point. Mais lorsqu'ils arrivent, les 2 femmes commencent à poser des problèmes à Salomon. Mais ce qui m'intrigue, c'est que c'est la propre mère de l'enfant vivant qui commence l'histoire. N'a répété la vie. Qu'est-ce que vous avez dit avant de relater l'histoire avant vous? Pour exemple, vous avez dit que vous avez dit que quelqu'un ne m'a pas compris. Celui qui relate l'histoire et les faits avant toi peut beaucoup être pris au sérieux de toi. C'est pourquoi quand il a raté papa à Kangon, on a même pour nous expliquer dans l'enfant. Tu as compris dans la bienté. Oh, tu es un poète, tu es un poète. Au bandeau, il faut expliquer dans l'enfant pour Nanini. Ozeli a découvert pour expliquer. Et ici, la Bible nous révèle que la femme arrive. Les 2 sont arrivés. Mais c'est l'autre qui avait l'enfant. Mais bizarrement, en arrivant, elle commence à plaider auprès du roi. Le roi assis en train de regarder. Le roi, écoutez attentivement. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu vous dit qu'il est prêt à vous écouter, profitez-en pour mieux expliquer les choses. Papa, la différence entre Dieu et le diable, c'est que le diable n'a pas besoin d'invitation pour entrer dans ta vie ou dans tes problèmes. Alors que Dieu frappe à la porte avant de commencer. Alors que le diable a la rapporte à mon qui à côté sans qu'on informe. Je suis en train de prier que Dieu mette la différence entre lui, sa façon d'agir et la façon d'agir des hommes. La répétition pas la différence, la façon d'agir au sein de la macambo. Entre, comme on dit, la différence entre Yéna Bat. La parole est sur Moussala, mais après, la parole est sur Moussala. Mais après, la parole est la différence dans le saut. J'aimerais avancer très rapidement. Et lorsqu'ils arrivent, ils plaident, ils posent le problème. Et les 2 femmes commencent à s'expliquer. Salomon regarde, Salomon dit, je sais que l'amour d'une mère pousserait une mère à donner sa propre vie pour l'enfant. Quelqu'un me suit jusque-là? Je sais que l'amour d'une mère poussera la mère à donner sa propre vie. Pourquoi? Pour son enfant. La différence qu'il y a ici, c'est que l'on peut détecter le propriétaire de la chose par son comportement. Nassima Remaka, on a pas camarade. Ceux qui ont un problème dans la course, à ce moment au précis. Au moment où on a un kumba, on a un souci. Au souci, pas si l'air à donner dans les boulots. Salomon, tu ne peux pas faire ça. Salomon m'explique, il me dit, le problème, c'est qu'en temps de guerre, celui qui tue n'est pas un meurtrier. Vous t'en comprenez bien. En temps de guerre, lorsque la guerre est déclarée, celui qui tue en premier n'est pas un meurtrier. Et on peut même les traiter d'héros de guerre.
Or, nous savons que la mort est condamnable, vrai ou faux. Mais comment expliquez-vous les enfants d'Israël en face des Philistins? Ils étaient en train de tuer, mais Dieu ne les a jamais appelés de meurtrier. Parce qu'en temps de guerre, celui qui tue n'est pas un meurtrier. Et puis si Salomon a compris, mais Salomon a commencé à expliquer, et dans le sens de la Bible, oui, c'est la guerre que seul qui ment a déclaré à seul qui est juste. Écoutez-moi très bien. Lorsque le diable entre dans ta maison, ne les laisse pas vivre. C'est une guerre qui te déclare. Lorsque l'ennemi entre dans ton sein, ne lui laisse pas s'en sortir parce qu'il t'a déclaré la guerre. Les gens habitent ceux qui vont dans la famille, ils vont faire là depuis des années. Parce qu'il va déclarer une guerre, ils vont devoir rater. Lorsque Goliath commence à quitter leur terrain et entrer à Soko, il déclare la guerre. Même s'il l'avait déclaré par des paroles. Mais dès qu'il actionne le mouvement, Goliath a déjà perdu la guerre parce qu'il entre sur un terrain qui n'est pas à lui. Je répète encore. Celui qui vient te combattre dans ton terrain a à moitié perdu. Aïe, 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 aïe. Mais écoutez, la femme avait l'enfant. La femme sentait la douleur de son enfant. Et j'ai reconnu que ce n'est pas mon enfant. L'autre dit, c'est ton enfant, c'est mon enfant qui est vivant. La femme a senti la guerre déclarée. Et Salomon regarde, il dit, je suis assis comme Dieu. Je dois trancher le problème de deux guerres. Qui n'est pas juste? Qui n'est pas juste dans l'affaire? Qui est en train de mentir dans l'affaire? Le roi a regardé, il a dit, c'est un problème de justice. Il dit, c'est un problème de justice. Il y a une d'entre les deux qui est injuste. Je vois le problème. Et la Bible déclare que Salomon a dit, on va trancher l'enfant en deux. Peu importe si on me traite de meurtrier, il faut qu'il y ait une solution. Et Salomon lève. Il se lève. Alignab kata moana mukolo moana gangi. Je répète, c'est que Yondoza, maman solo. N'a pas prié, n'a pas pour quoi aller. N'a saison où est bandi. N'a zambé, n'a pas tout reconnaître que l'eau on les a eu. Tout le monde va comprendre, n'a bien dit. Je suis en train de prier. Que tu ne perdes pas les choses que toi tu vas donner naissance. T'as la moine à nous, yoko kunda moine à nous, t'en as répété au bout du monde, t'en as sans toi au bout de moine. Et ici, Salomon s'est rendu compte que la mère, la vraie mère, était celle, était l'autre. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai commencé à prier là-dessus en disant à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce d'avoir la sagesse de trancher le problème. Mais quelqu'un va me rappeler, mais prophète, t'aimes Nabisso. Et dans Jésus-Christ. La raison de ma différence. Non, c'est ma thème, Namaï. La femme qui avait perdu son enfant, l'enfant était mort, a commencé à quitter la ville. Elle partait blessée. Elle partait en disant dans son cœur, et sa faute, Nanga. C'est vrai que c'est à cause de mon manque de caractère, c'est à cause du fait. Je suis incapable de bien dormir, que mon enfant est mort. Je comprends, c'est de ma faute. Et la femme était en train de sortir la ville. Elle a porté un enfant mort. Je suis en train de voir la femme en train de sortir. C'est vrai qu'on a peur de moi, Elle continuait à sortir la ville. Alors qu'elle sortait la ville, tous les autres étaient en train de voir, en train d'acclamer Salomon, parce que Salomon a été sage. Mais c'est que les hommes ont oublié la femme qui avait perdu son enfant. Salomon a tranché le problème pour la femme qui avait un enfant en vie. Mais Salomon n'a pas tranché le problème pour la femme qui avait un enfant mort. Dans Luc 7, vous vous rendrez compte que la femme qui avait perdu son enfant était en train de pleurer. Elle était entourée des hommes qui portaient pour elle l'enfant. Elle pleurait, elle sortait la ville. Et la Bible déclare qu'il y avait 4 hommes qui portaient l'enfant. Chacun de son côté, ils portaient l'enfant.
Il y a combien de personnes dans la vie qui viennent là pour t'aider à porter ton enfant? Combien de personnes compatissent lorsque tu as mal? Mais combien sont réellement la solution? Lorsque tout va mal, combien de gens viennent à tes côtés pour t'aider à porter le fardeau? Nous sommes remplis des hommes et des femmes qui nous aident à pleurer, qui pleurent avec nous. Mais qui sont incapables de donner quoi? La solution. Nous avons prié Nzamba Pesobat dans ces encours. La différence entre ces hommes et Jésus, c'est que lorsque Jésus vient, Jésus ne pleure pas avec la femme. Il est saisi de compassion. La femme sort en train de dire, mais Salomon m'a laissé sortir. Je n'ai que cet enfant. Je n'ai personne. Le père n'est pas là. Je ne sais pas si le père de l'enfant était mort ou pas, mais la femme sortait de la vie. Azobi mazo la lobi, biso ba dama sou mounet ba biso ba prostituée. Nanya rokote la biso du kambo. La femme pleurait, elle continuait à pleurer. Et je regarde de loin, je dis mais Jésus-Christ était dans une autre ville. La Bible déclare que au ce même moment-là, Christ était à l'entrée de la ville de Naïm. Yoga nga très bien. L'écart qu'il y avait entre la fille de Naïn et l'endroit que provenait Jésus-Christ, plusieurs commentateurs disent que c'était à 3 journées de marche. Certains exagèrent même. Scofid et les autres sont en train d'exagérer dans leurs commentaires. Balobi que bisika fille Naïn et Zalaki, na bisika Yesu Outaki, il fallait Yesu attendre pendant 3 jours. Certains balobis, il fallait même attendre pendant plusieurs heures. Mais pendant 3 jours d'Ozoa. Ça veut dire que Yesu a loué 3 jours avant que moi, Nawa, n'a pas commandé devant Phil. Il y aura mal très bien. Na saison où Nazo Sakola n'a combo na Yesu. Nzamba Kolomo la Batou et Belé tôt de là où ils sont. Pour qu'ils arrivent au bon moment pour te donner la solution au nom de Jésus-Christ. Christ a quitté tôt afin de rencontrer la femme là devant. Je ne sais pas quelle est la personne qu'il faut dans ton problème. Je ne sais pas si c'est quel DG qu'il te faut. Je prie que Dieu mette ces DG-là déjà en place. Lorsque toi tu arriveras, que ça ne soit pas des choses compliquées. Je suis en train de prier. Que Dieu fasse en sorte qu'il y ait des gens qui t'attendront devant la vie. La Bible déclare qu'ils arrivent devant la porte. Alors qu'ils étaient en train de sortir, Christ était en train d'entrer. Je suis en train de proclamer que la porte sera ouverte. Tu rencontreras ceux qui entrent, car ils doivent entrer avec la solution à ton problème dans cette saison. Je suis en train de prier. Mais la saison où tu vas m'imiter, ça me yémoire le problème wana. A qu'on régler le problème wana. Amen. Est-ce que nous allons s'arrêter? N'a déclaré ma combo na Yesu na saison oyo ataba tuo ba mesana ko mona ole lawana kala mingi te ba ko mona yo zo mozo seka siko bazo zela yo obi mama ba ko sutuka bazo mona zo zonga tala bazo zela yo ke ndoko kunda ba ko sutuka zo zonga na mona za envie. Je suis en train de proclamer au nom de Jésus Christ la chose qu'ils attendent, que ça puisse mourir. Cette chose va ressusciter et ils seront témoins au nom de Jésus Christ. Est-ce que je peux avancer? La Bible déclare que Jésus est arrivé devant la fille de Naïn. Le fils unique du père a rencontré le fils unique de la veuve. On comprend dans la bien-être. La Bible déclare que la femme, elle était veuve. Elle avait un fils unique. Le fils unique de la veuve a rencontré le fils unique du père. Entre le contact de fils unique, l'un était mort alors que l'autre était vivant. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. La vie a la capacité de contaminer les choses qui sont mortes. Amen, les abientés. Mais que lorsque Jésus-Christ est l'élément de la différence, il fait que tu deviennes toi-même l'élément de la différence. Le bien avec Dieu, lorsque Dieu entre dans ta vie, Dieu ne veut pas que tu le voies faire les miracles. Dieu veut faire les miracles aussi par toi. Oh, je suis en train de proclamer au nom de Jésus-Christ que dans cette saison,
Pessang amène à bien avancer. Ah, Pessang amène à bien avancer. Amen aux hommes de Pessang amène à bien avancer. Nabengi Salomo. Nabi Salomo, mais moi aussi, on tigre à Kenenengen, il y a le prophète. Nama yele nanga esuki awa. Wanya nanga esuki awa. Il y a des choses que la sagesse des hommes peuvent régler. Mais il y a des choses que seul Dieu peut régler. Amen aux abientés. Amen aux abientés. Personne n'amène à bien avancer. Je dis, Salomon, qu'est-ce que tu m'expliques? Salomon me dit, prophète, il y a des choses que les hommes peuvent régler pour toi. Il y a des contacts que tu peux appeler. Ils peuvent avoir la solution. Mais il y a des problèmes que même le roi de la terre ne peuvent pas régler. Ami Salomon, explique-moi, quel est ce problème? Il m'a dit, le plus grand problème que les millionnaires, que les hommes sages de cette terre ne peuvent pas régler, c'est le problème de la mort. Je répète, c'est le problème de la mort. C'est pourquoi mon Jésus à moi, lorsqu'il est mort, il a aussi fait 3 jours. Je répète, il a aussi fait combien? 3 jours dans le tombeau. J'ai posé la question à la femme. Ton enfant était né combien de jours avant? Il m'a dit 3 jours avant que l'enfant meure. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi le chiffre 3 se retrouve là? Je n'entre pas dans la chiffrologie. Mais j'ai dit, femme, explique-moi pourquoi ton enfant est né 3 jours avant. Il m'a dit, Dieu voulait que l'on y a moi dans la main et comme la moi avant. Moi, nous avons dans ma après. Écoutez-moi très bien. Christ est mort bien avant, afin que ceux qui seront avant toi puissent être les éléments qui consolideraient ta foi afin de couper la mienne. Il n'a pas attendu que tu sois né pour qu'il meure pour toi. Il est mort 2000 ans avant, afin que tu le trouves déjà mort et qu'il avait déjà réglé le problème. Je répète, avec Dieu, la solution précède toujours le problème. C'est pourquoi l'homme est devenu la dernière création, créature de Dieu. Et je veux le dire encore, est-ce que vous savez que l'homme est moins âgé que les pierres? Est-ce que nous avons moins âgé que Banzete? La Bible déclare que Dieu créa. Il dit que la terre pousse, la terre a poussé, les fruits, les arbres ont poussé, ceci. Même les oiseaux sont plus âgés que l'homme. Même les animaux sont plus âgés que l'homme et même les poissons. Pourquoi? Parce que Dieu savait que l'homme allait avoir un estomac. Dieu savait que l'homme allait avoir un besoin, n'est-ce pas? Dieu commence à donner déjà, à faire exister la solution avant que le problème ne commence. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Jésus est déjà sur le chemin. Toi, arrive simplement à l'entrée de la ville. Oh, qui me donne un bon amen, j'avance. La différence, c'est le Jésus qu'on est en train de rencontrer. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Le problème que tu rencontres a une solution. Et la solution s'appelle Jésus. Crie à haute voix, Jésus m'a dit. Différence. Jésus ma différence. Ah, non, pas aussi ce matin, non, pardon. Ah, je dis, mais Seigneur, explique-moi bien. Il me dit, le problème avec vous, c'est que vous ne savez pas que Jésus est déjà en route. Alors que Yosu Luka solution, dans la yo banana kotambola. Il y a des temps où Dieu te demandera d'aller enterrer le seul enfant que tu as. Ce que bon bien nanda wa kopole lo bayo kangai. Kenene ni kende kokunda menza meno kendo kunde ngeni no tika nanani. Mubali ya kenda na saka kanga moko na bomba ta mwana oyo. Ata kufi na mona ke quand même. Te kende Bana quartier peteti babando ba memi moi oh to linga dio mingi au revoir alors que bango bazo yemba moi c'est azole la bi suki na ko tsiki kaka na cimetière wana bato nyoso ba okene na bango. Écoutez-moi très bien, lorsque c'est Christ qui est l'élément de ta différence, Christ ne règle pas le problème simplement de la femme qui était juste. Il règle aussi le problème des injustes. Je répète, le but de Dieu n'est pas que tu puisses avoir des enfants. Le but est que toi, tu puisses avoir accès au royaume de Dieu. C'est pourquoi il est venu
pas pour mourir. Pour mourir pour la parcelle, non. Il est venu mourir pour que toi tu aies la vie. Écoutez-moi très bien. En lisant ma Bible, je me suis rendu compte que la plupart des paraboles que donne Jésus sont des paraboles liées à l'argent. Chers lecteurs de la Bible, vous le savez avec moi. Ce sont des paraboles liées à l'argent. Mais à chaque parabole, il rajoutait toujours la valeur de la relation. Il y avait un père riche, un père ceci, il avait laissé ceci, les gens sont venus. Il rajoutait l'importance de la relation. Je répète, l'objectif de la mort de Christ et de sa venue sur terre était que l'on puisse avoir une relation étroite avec le Père. Pourquoi il a eu cette pitié? Il m'a dit, parce que très souvent, l'élément du miracle qui déclenche le miracle, c'est la capacité du cœur. Je n'ai pas respecté la structure de ma prédication, certes. Mais j'ai un bon message à quelqu'un ce soir, à livrer à quelqu'un. Ce que vous ne savez pas, ce que Dieu veut voir, comment vous réagirez lorsque vous réaliserez l'état de votre vie. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que je peux prêcher une chose pareille? Il m'a dit, écoute très bien. Jean 8, 7. Pour ceux qui l'écrivent, vous pouvez le prendre. La Bible nous parle de cette femme accusée d'adultère. Le terme adultère, dans le contexte hébraïque, fait aussi allusion à la prostitution. Le même terme adultère qui fut utilisé dans le livre de Jean est celui qui a donné que vos peuples se sont prostitués avec d'autres dieux, parlant d'Israël. Et ici, dans ce contexte, l'on parle de cette femme comme étant une prostituée. Et tout le monde sont sortis pour la lapider. La foule est sortie pour la lapider. Alors, Et puis la Bible déclare qu'il se releva et il leur dit, celui qui n'a jamais péché contre vous, fasse quoi? Lance la première pierre. Le but de Dieu n'est pas de classifier les péchés. N'est pas de mettre l'adultère devant tous les autres péchés. Il rassemble même les petits péchés comme étant les péchés. Ce que toi tu considères comme étant péché, si ce n'est que l'adultère, sache qu'il y a aussi les autres péchés. Et Christ met tous les autres péchés dans un seul panier en disant, si toi tu n'as jamais péché, pas si tu n'as jamais produit l'adultère, mais si tu n'as jamais péché. L'objectif est que tu rentres en toi et que tu observes ta conduite. Est-ce que je suis juste? Le bien avec Dieu, c'est que Dieu est encore disposé à nous recevoir, nous qui sommes injustes. La différence ne se pose pas sur n'importe qui, mais sur ceux qui respectent les préceptes de Dieu. Mais si tu es dans la catégorie de ceux qui n'ont pas encore respecté, il n'est pas encore trop tard, car Jésus est là. Je veux aller encore plus loin. Je fais aider ma Bible. Je suis arrêté jusque-là. J'ai dit, mais Jésus, pourquoi toi tu ne la condamnes pas? Il dit, je ne peux pas la condamner. J'ai dit, mais Seigneur, toi tu es saint. Toi tu avais le droit de la condamner. Il a dit, c'est pour ce type de personnes que je suis venu sur terre. La plupart du temps, les gens qui nous entourent, lorsque nous voyons tomber, lorsque nous voyons commettre les péchés, ils deviennent nos accusateurs. Donc ils deviennent les petits frères du diable. Ma Bible à moi m'explique un autre contexte. Que le Jésus que nous sommes en train d'invoquer, chercher, est un Jésus juste. J'aimerais clôturer ma prédication ici, en descendant ici. Wow. Lorsque Jésus-Christ
Et la raison de ta différence, tout ce qu'il te demande de faire, c'est de venir à sa rencontre. Quelqu'un est avec moi. Ce qui est moudou, c'est que ça m'a ramené ce que vous avez fait. À ce que vous avez fait, il y aura beaucoup de temps. Je n'ai pas besoin de voisins. Voisins, si vous avez fait, vous avez les lots. L'opportunité, il y aura beaucoup de temps. Et puis, ça, voisin à gauche, il y a à droite. Il y a beaucoup de temps. Et puis, ça, voisin à droite, il y a beaucoup de temps. Et puis, ça y est, il y a opportunité. Il y a beaucoup de temps. Aussi, il y a des gens qui ont été. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. Ce soir, j'aimerais faire cet appel, le lancer. À toutes les personnes qui ont perdu leur vie, leur dignité. Ils ont perdu leur vie d'intimité. Vous avez perdu comme votre relation avec Dieu à cause de la multitude de péchés. Sachez que vous êtes éligibles pour la prochaine saison et pour la différence avec Jésus. Alors, si tu sens que depuis un temps, ça ne va pas avec Dieu, tu sens comme si tu es devenu dans le rythme de tout le monde, mais tu aimerais vivre la différence, c'est à toi que je lance cet appel. Azobe ngala lobi yaka. Pesanga nyonso ngana memango. Akopeso bomo. Je dis à quelqu'un, il n'y a que le Fils unique qui porte en lui la vie, qui peut redonner au Fils unique de ta vie la vie qui le manque. Alors on a évité ce qu'on comprend, on a très bien, mais on a évité ce qu'on comprend. Porte, yango y a moi, pour moi. Et opportunité, yango y a moi, ça m'est lieu. Ça m'a dit, on peut s'en aller à la suite. Pendant 2 minutes, je voudrais que tout celui qui aimerait donner sa vie à Jésus en lui disant, sois la raison de ma différence. Désormais, je voudrais marcher, mais en toi et toi par moi. Je voudrais que tu portes ma vie dans la direction que tu souhaites. Si vous êtes là, je voudrais que vous puissiez vous avancer. Maintenant, on va monter. J'ai senti le prophétique en train de marcher dans la salle. Je me sens à quoi? Oui, mais si tu as besoin, il n'a pas ce mot, 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 il n'a pas avancer. Tu dis à Dieu désormais, j'aimerais que tu sois la raison de ma différence. Marcher comme toi et vivre les choses que toi tu as vécues. Où est la première personne? Je t'attends. J'ai l'impression que nous sommes un chrétien. Si tu sens que tu aimerais refaire ta relation avec Jésus, renouer ta relation avec lui, c'est toi qu'on attend. Est-ce que tu es là? Tu peux avancer. Il m'a dit tout à l'heure lorsque je suis en train, je me suis assis, que Dieu soit loué. Il faut tout le monde abattre, il faut tout le monde abattre. Je suis à 16 ans. Je suis à 16 ans. Je suis à ma case. Je suis à solité, je suis à ma misouté. Nous sommes témoins de la bonne chose que Dieu veut faire. Il veut leur redonner vie. Alors on ne doit pas fermer les yeux ni avoir honte. On doit être content parce que Dieu, quand il les renvoie devant, c'est pour que nous soyons prêts à voir la différence qui va s'opérer dans quelques jours. Alors si vous êtes là, joignez-vous à nous aussi. N'en déçus pas ton cœur, dis à Dieu, je voudrais te donner ma vie, afin que tu la conduises, que tu l'amènes comme tu veux, que tu me fasses vivre comme toi tu l'attends. Est-ce que vous êtes là? Avancez-vous encore. Toujours c'est là, yo. Nous sommes à gagner d'âme. Il dit, vous verrez de nouveau la différence. J'ai envie que le gagneur d'âme que j'avais connu étant enfant, que nous avons entendu parler, qu'on la vive dans une nouvelle gloire. Elle a déjà commencé, nous qui sommes à l'extérieur, on la vit. Et je me tiens du haut de cette chair comme étant le gagneur d'âme. Ce pourquoi nous avons été envoyés, c'est ça. Alors si vous êtes là encore, n'en dissipe pas ton cœur. Avance-toi. Et puis s'entendre. Y a-t-il quelqu'un qui peut encore avancer?
Avance. On te donne encore quelques secondes. Celui qui a ressuscité les morts est encore vivant jusqu'à ce jour. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Mon frère, n'anticipe pas ton cœur. Dis à Dieu, je conduis ma fille comme je voulais, mais cette fois-ci, je voudrais que toi, tu la conduises à ta façon. N'anticipe pas ton cœur. Avance encore. Avance encore. Il m'a dit, je suis celui qui en contact avec les morts, je peux redonner vie. Je suis plus que les eaux d'Élysée. Je suis plus que les eaux d'Élysée. L'enfant vivant n'a pas redonné vie à l'enfant mort. Il n'y a que le Fils qui donne la vie. Et lui donne la vie en abondance. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Avance encore. La différence dans le comportement de Dieu juste. Oh, avance encore. J'ai envie de clôturer pendant comme prophète dans quelques minutes. Mais avant cela, je voudrais qu'il y ait une fête au ciel. Je la sens en train de monter. Et je sens que le cœur est en train d'être brisé. Parce que le ressuscité est ici. Il redonne aux filles. Avance encore. C'est pour toi que cette convention a été organisée. Avance. Oh mon Dieu. Quelle joie immense. Mon frère, je t'attends depuis longtemps. Je sens qu'on va couler dans le prophétique tout à l'heure. Mais si ton cœur est endurci. Et que tu écoutes cette voix. Ah non, n'endurcis pas ton cœur. Dis-le à Dieu, dis-le simplement à Dieu. Je t'ai dédié ma vie. Conduis-la comme tu veux ce soir. Le bon ma poussin, il est sous de la ravaille. Il y a une joie immense au ciel. Il y a une joie immense au ciel. Il m'a dit, ceux qui viennent à moi ne font que répondre à mon axe, celui d'aller vers eux. Il était déjà devant, il avait déjà fait le pas avant que toi tu n'arrives à l'entrée de la ville. C'est pourquoi avance encore. Pasteur, je ne sais pas comment on va faire. Si vous pouvez vous joindre à moi, si l'équipe peut se joindre à moi, compris particulièrement pour chaque personne. Et qu'on leur fasse recevoir Christ. Mais si d'ailleurs, ça lit simplement, il y a un peu de temps, on va dans le sang, celui qui est la raison de ma différence. Je veux vivre la différence dans mes entreprises, dans ma vie. Je voudrais vivre la différence. Mais si tu es là, n'en dissipe pas ton cœur, continue d'avancer. Est-ce qu'on peut lever nos voix et commencer à prier? On vient à vivre la différence. Mais il n'a vivre la différence. A qui mon bon mon arrêt, tu viens pour élever sa voix, commencer à prier. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Puisse t'entendre prier. Je sens une atmosphère de prière. Dis à Dieu, Seigneur Dieu. Je veux vivre la différence dans tout ce que je fais. Tu es là, aux Awa, aux bandits classe, aux Osalabafé, mais aux en impression qu'ils ont le même niveau que Batounon Sébissant, mais Jésus-Christ, toi la raison de ma différence. Je veux vivre la différence dans mes études, dans mes affaires. Quelqu'un peut élever sa voix, commencer à prier. Je sens une atmosphère de grâce et de gloire. Et puis sans ça, je veux vivre la différence. Toi qui ressuscites plus que les eaux d'Élysée. Je sens la délivrance en train de s'opérer. Mais n'habitez pas ici comme ça.
Quelqu'un peut-il élever sa voix, commencer à prier? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sens la gloire de Dieu aussi. Il m'a dit, Jésus, élève ta voix, montre encore en prière. Prie encore, prie encore. Dis à Dieu, toi, la raison de ma différence, toi, la source de ma différence. Toi la source de ma différence. Toi la raison de ma différence. Je veux te vivre. Je sais que je reviendrai samedi. Je sens. Nani mutu mokato bwa lobo mobile Nicolo. Je n'ai pas encore vu l'enfant de mes propres yeux.
Mais l'enfant que j'ai vu, c'est l'enfant que j'ai vu spirituellement. Et il me dit, porte cet enfant, réveille sur l'enfant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 2 ans à venir, mais Dieu me dit de vous dire qu'il va vous mettre à l'abri, financièrement parlant. Et il me dit, dis à votre mari, maintenant vous pouvez dire à votre mari, qu'il a un appel, et cet appel va prendre l'ampleur dans les 2 ans que nous sommes en train de parler ici. Je l'entends en train de prêcher, je ne sais pas s'il prêche les gens, mais je l'entends en train de prêcher. Et maintenant que je l'entends prêcher, je l'entends prêcher comme le pasteur l'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le pasteur Adams, mais il me dit, la même onction coule sur vous. Et pendant que je parle, il me dit, dis, qui a étudié à Éveil? Vous avez étudié à Éveil. Attendez. Il me dit, je suis en train de retourner. Et je vais donner de la valeur à votre cursus scolaire. C'est donc dire, dis maintenant à votre femme, Dieu est d'accord qu'il va vous bénir financièrement. Papa, j'aimerais que vous se le dire. Et dites là, ne se calmez. Dieu a entendu ces prières. Je vois que vous êtes en train même de déménager. Je vois que les éléments sont mis en place. Dieu me dit qu'il va vous donner lui-même la possibilité de ce déménagement. Dites à votre femme, Dieu est content qu'elle n'aime plus la maison. Il va vous donner une nouvelle maison. Est-ce que je peux prophétiser? Apparemment, à dernière dame, on n'aime pas les prophètes. Est-ce que je peux avancer un peu? Je déclare que le culte de demain sera un culte extraordinaire. Et je prophétise au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Dieu l'a convaincu et qu'il est venu donner l'argent. Que Dieu suscite des gens qui, en te regardant simplement, que elle-même t'apporte ce qu'il te faut au nom de Jésus-Christ. Amen de sa bienté. Est-ce que je peux déclarer au nom de Jésus-Christ? Je proclame et déclare au nom de Jésus-Christ qu'en cette saison, Dieu ouvre des portes et Dieu te donne au-delà de ce que tu t'imagines. Que la gloire que tu avais vue dans tes rêves, que Dieu te la redonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame comme prophète, en accord avec Papa Béni, que Dieu nous redonne la gloire qu'on avait perdue. À qui est-ce que je parle maintenant? Je suis en train d'élever ma main droite et je déclare, du haut de cette chair, plusieurs familles vont vivre la main de Dieu ici. Mon temps est épuisé, mais j'ai envie qu'on fasse une dernière prière. Lève simplement ta main droite. Dis à Dieu, Seigneur, ressuscite toutes les choses mortes dans ma famille. Ressuscite toutes les choses mortes dans ma vie. Et que je vive la différence. Quelqu'un peut élever sa voix. C'est le seul sujet de prière que je donne. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier ensemble? Faites-le très bien. Faites-le très bien. Au nom de Jésus-Christ, Zamba pèse sa vie. Namino konyo se koufa na famille nabino. Et l'on konyo se koufa na vie, non, Zamba pèse son mot bon mot. Aébi sanguina erna koyo. Après la prédication, il va lui-même ressusciter toutes les choses mortes. Alors que tu as levé ta main droite, je déclare maintenant que tes projets commencent à ressusciter. Je déclare maintenant que ta santé est en train d'être restaurée. Il m'a dit qu'il renouvelle, donc il redonne vie à toute chose morte. Alors que l'enfant était vivant, Jésus ne l'avait pas rencontré. Mais lorsque l'enfant est mort, Jésus l'a rencontré. Je déclare que l'on se couffa. Écoute un ensemble. Alors que tu as levé ta main, je suis en train de proclamer que la vie monte. Que la vie monte. Il me dit qu'il y a une onction fraîche qui est en train de tomber maintenant. Alors que tu as levé tes deux mains, je prie qu'une onction de résurrection tombe sur toi. Qu'une onction de résurrection tombe sur toi. Que Dieu redonne vie. Que Dieu redonne vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit qu'il est en train de restaurer la vie de quelqu'un. Mais cette personne n'est pas ici à l'église. Je vois que la personne doit rencontrer un accident cette semaine. Je pense que c'est le samedi. C'est la soirée du samedi. Mais à cause de votre présence ici, je prie que la personne ne rencontre pas cet accident.
papa Olivier. Olivier, papa Olivier. Papa Olivier, rapidement. Peu importe qui est là, la femme de papa Olivier. Je vois qui c'est qui Mbokolo, quelque chose de comme ça. Je suis en train de voir qu'on est comme en train de stopper un fond et un accident devant là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu entres dans ma vie. Tu me sécurises. Tu restaures ma vie et tu restaures ma famille. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alors que je voulais remettre le micro, le pasteur m'a rajouté quelques minutes. Qui t'engue? Alors je suis en train de parler, je vois Dieu en train de poser comme une différence sur la tête d'une jeune fille. C'est une jeune personne. Je vois qu'on me déposait comme une huile fraîche sur son visage. Et on me disait, Neftali qui t'engue. Non, non, moi, ça m'a quand même couture. Je vois que la personne fait comme la coupe est couture. Je vois que la personne est en train de coudre. Elle s'appelle Kitten. Et pendant que nous sommes en train de parler, si vous êtes là, ce n'est pas un problème. Pendant que nous sommes en train de parler, je vois qu'on est en train comme de verser l'huile sur cette fille. Si elle prie à l'église, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que quelqu'un qui la connaît ici? C'est justement là. On me dit que l'enfant doit être consacré. Je ne sais pas ce que vous allez faire, pasteur, si vous pouvez prier pour la fille. Je vois que la personne est en train d'être dans des histoires de coupe et couture, en train de coudre. Et je vois qu'elle entrait comme sur un tapis rouge. Elle était en train, ses vêtements étaient en train comme de marcher. Et les gens étaient en train de célébrer le Seigneur pour elle. Et Dieu me dit qu'elle sera une fierté pour gagner d'âme. C'est pourquoi je suis en train de voir cela. Et Dieu me dit qu'il est en train lui-même d'honorer plusieurs personnes qui ont été fidèles à l'église. Amen. Et ça, bientôt, on dirait Batwa Siliki. Je disais, on dirait Batwa Siliki. Ah, non, on dirait Batwa Siliki. Je suis en train de voir une vision. Dieu est en train comme de faire taper plusieurs mamans Mago. Et il me dit qu'il est en train d'honorer toutes les mamans qui ont été fidèles à l'église. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit qu'il est en train lui-même d'accorder à leurs enfants des mariages glorieux ici à l'église. Je parle simplement aux mamans. Mais je suis en train de prier que Dieu fasse quoi? Qu'il honore toutes ces personnes qui ont travaillé avec faire ici à l'église. Est-ce que je peux avancer rapidement? Fais ça avec moi, s'il te plaît, fais-le très bien. Est-ce qu'on peut très bien le faire encore? Dis Dieu de différence. Est-ce qu'on peut l'écrire haute voix? Le Dieu de différence. Mets la différence dans mes entreprises. Fais la différence dans mes entreprises. Fais la différence dans mes affaires. Je ne vous ai pas entendu. Fais la différence dans mes affaires. Fais la différence dans mes entreprises. Et je veux te vivre. Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Je sens que je dois faire ça comme une prière. Je peux remettre le micro. Papa, je peux revenir le samedi, c'est ça. Rendez-vous le samedi. Le samedi, je prendrai quelques minutes simplement dans la prédication et on va passer le temps dans la prière et dans le service prophétique, pourquoi pas. Quelqu'un peut lever simplement sa main droite. Je sentais que je devais le faire depuis très longtemps. Il m'a dit ce soir d'accorder à une dizaine de personnes la grâce dans leur travail. Dans leur travail. Alors que vous avez levé vos mains. Alors qu'on a levé nos mains. Je suis en train de prier que le Seigneur le fasse ce soir. Toutes les personnes qui ont laissé le CV quelque part. Toutes les personnes qui rencontrent un combat dans leur travail. Que le Seigneur vous accorde la différence maintenant au nom de Jésus. Que toute bataille qui s'était levée dans vos vies, qui s'était levé dans vos entreprises, que le Seigneur vous accorde la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que vous avez levé vos mains, je suis en train de voir comme de l'huile en train de tomber sur plusieurs mains. Je vois l'huile en train de tomber sur plusieurs mains. Alors que tu as levé ta main, tu vas voir l'huile même entre tes mains. Ne panique pas, n'aie même pas peur. Que cela soit simplement un témoignage pour toi que le Seigneur est en train de te visiter. Et il me dit ceci: je ferai prospérer l'œuvre de vos mains. Je proclame au nom de Jésus-Christ que Dieu accorde la différence à l'œuvre de vos mains.
si vous travaillez dans n'importe quelle chose, que par vos mains que Dieu accorde la différence. Pendant que je prie, Dieu est en train de me dire qu'il est en train lui-même de mettre à l'abri les entreprises et les affaires de plusieurs. Alors que tout le monde est là, je prie. Penaso sakola na kombo na Yesu. Bisika nyonso bala ko rencontrer combat. Déjà na musala que Dieu accorde la différence et que lui le puisse te mettre à l'abri. Quelqu'un me donne un bon amen, j'avance. Je proclame au nom de Jésus-Christ que ta main levée te conduira et te fera signer des documents de plusieurs valeurs. Je proclame que par tes mains, que par la main que tu as levée, que tu puisses signer de grands contrats. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que le Seigneur le fasse, que le Seigneur le fasse, que le Seigneur le fasse, je prie que le Seigneur le fasse. Que le Seigneur le fasse. Père éternel, pour toutes les visions que tu m'accordes, je prie que les personnes concernées reçoivent les mêmes visions. Alors que tu as levé ta main, je suis en train de prier Dieu qu'il te fasse grâce de le vivre différemment à la saison qui a commencé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse. Vous avez des enfants ici? Est-ce que vos enfants peuvent venir avec vous, s'il vous plaît? Tous les enfants de maman viennent. Tous les enfants de maman viennent. Je vois aussi. Je vois que dans l'église, on va recevoir une famille au nom de Bomoy. B-O-M-O-Y. B-O-M-O-Y. Y. B-O. La famille en question est ici. Est-ce que les membres de cette famille peuvent aussi avancer rapidement? Je ne sais pas ce qui se passe, mais les dirigeants sont en train de se parler. Moi, je ne comprends rien. Vous êtes aussi un bon monde. Vous aussi. Avancez, papa, avancez. Ah. Gloire soit rendue au Seigneur. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu a dit que vous allez célébrer et vous vivrez très longtemps. Mais parmi les choses que Dieu va faire pour vous l'année prochaine, c'est qu'il va redonner la joie dans votre famille. Et il m'a dit, il a écouté les prières. Si je vous dis ça, peut-être vous allez penser, j'ai dit ça en gros. Il a dit, vos enfants vont bien se marier. Et il veut, par rapport à ce sujet-là, qu'on puisse déplacer. Mais il me dit ceci. Il a déjà bougé la personne qui était dans votre entreprise, qui était au-dessus. J'ai vu qu'on avait bougé. Mais on me dit qu'on va encore balayer un autre poste. C'est la raison pour laquelle il vous fera monter des postes. Parce que je vois que les gens qui sont venus, ce sont comme des personnes de la DGR. Mais je ferme la parenthèse. On est en public, les histoires. C'est ça, je n'entre plus au nom de Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que je vois les gens en train de parler de vous par rapport à une fidélité à là où vous avez travaillé. Et on me dit que cette saison, on va vous récompenser. Seule maman et moi avons compris, mais dites quand même amen s'il vous plaît. Dieu est sur le point de vous honorer là où vous travaillez. Je n'entre pas dans les détails, mais il me dit de vous dire ceci. La personne qui a la tête, qui a voulu qu'on puisse vous enlever, va aussi partir. La prière a été exaucée. Il faut moutouana sanini à Kenny. Quand Jésus, parce que Seigneur a déjà nos autres travail la maîtrise. Le semaine dernier, Gazo le bas, l'ingat pour ce matin, tribalisme la carte. Mais Dieu me dit de vous dire ceci, ne vous inquiétez pas, la personne va partir. Et en cette saison, vous allez monter. Et il se peut même qu'on puisse vous déplacer, qu'on vous enlève de là où vous êtes, ou qu'on vous envoie ailleurs. Mais Dieu m'a dit, vous devez rester encore là, parce que je vois que le département veut vous ouvrir une porte, mais pour se partir à Lubumbashi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne voyagez pas. Et je vois même que l'aéroport, c'est là-bas. Je compris à moi, mais je n'entre pas dedans. Mais il me dit que ce n'était qu'une porte, une première porte. Il vous ouvre une nouvelle porte. Et il veut vous honorer ici à l'église. Maintenant, touchez votre fille. Dites-là, le Seigneur est d'accord et le Seigneur a créé son mariage. Elle d'abord. Dieu peut faire tôt ce que les gens doivent attendre tard. Mais ce que vous avez attendu va arriver. Et dites-la maintenant, Dieu est capable d'enlever une personne pour faire entrer une très bonne personne. Et dites-la encore,
Dieu a dit que le voyage, ce n'est pas ce qu'il avait prévu. C'est pourquoi ça a raté. Dites-là, Dieu la voit ici. Et Dieu me dit de le dire encore d'ailleurs même, qu'il va l'honorer ici, avant qu'elle ne puisse partir. Dites-là, il faut la dire. Maintenant, tout ça, toutes vos quatre filles. Et dites aux quatre filles que vos mariages viennent d'être libérés aujourd'hui. Maman Grâce, si tu veux te joindre à moi, j'aimerais que tu pries avec elle. Maman, vous allez juste la laisser elle prier avec ma femme. Touchez le trois filles. Touchez juste le trois. Je voudrais que tu pries avec elle. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas. Vos parents, Maman Grâce, je veux que tu pries avec elle. Juste avec elle. Je ne sais pas si votre famille rencontre le même problème. Si vos parents rencontrent un combat. J'aimerais que vous puissiez vous joindre à nous en disant à Dieu Seigneur la victoire sur le combat que mes parents rencontrent. Si ce sont vos frères, dites à Dieu Seigneur donne quoi? Donne la victoire. Est-ce qu'on peut lever nos voix prier en sortie, s'il vous plaît? Apparemment, je saisis l'opportunité de vous. Le ciel est grandement ouvert ce soir. Que Dieu te bénisse parce que tu as compris. Et nous proclamons la saison de restauration au nom de Jésus-Christ. Père, merci de visiter la famille. Et de visiter ta servante, souviens-toi d'elle. Et nous déclarons pour toutes les familles qui sont ici, les portes viennent de s'ouvrir. Et nous témoignerons de ta fidélité dans cette église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alors qu'elle rentre, maman, que Dieu vous bénisse. Papa, vous pouvez avancer. Que Dieu vous bénisse, papa. Je suis en train de, pendant que j'étais en train de parler, Dieu m'a parlé de la famille rapidement. Et il m'a dit qu'il est en train de redonner exactement vie à toute la famille. Mais c'est ce qui est inquiétant. Je sais que je vais parler de ça le samedi. Je sens que je vais prophétiser le samedi. Dis à ton voisin, ne manque pas demain, ne manque pas le samedi. Dites à votre voisin, ne manque pas demain, ne manque pas le samedi. On a toujours bien dit à ton voisin, ne manque pas demain, ne manque pas le samedi. Le Seigneur me dit, dis simplement à la famille, je viens de commencer de nouvelles choses. Je sais que je suis en public et que vous ne voulez pas que je parle en public. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vois que votre famille est en train de monter et de crier ici. Quand vous ne voulez pas que je parle en public, je vais parler en privé. Mais avant que je ne parle en privé, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Puissiez prendre votre téléphone entre les mains. Dans peu de temps, vous aurez un appel. Et cet appel sera pour vous annoncer une bonne nouvelle. La victoire d'un dossier qui vous a fait beaucoup mal à la tête. C'est bon maintenant. Et puis deuxièmement, je suis en train de voir des magistrats en train d'échanger comme un verdict. Et pendant que je vous parle, je vois qu'on me remettait comme on dit, bah, pourquoi pas. Je me dis, dis-lui simplement que je donne la victoire sur un dossier parcellaire. Si ça, vous avez compris, c'est bon. Je parle avec beaucoup de sagesse en public. Mais une très bonne chose que je suis en train de voir, je vois de la même manière que vous n'êtes. Je ne peux pas dire que vous ne croyez pas aux prophètes. Mais Dieu me dit dans votre maison, vous serez vous-même des fils prophètes. C'est pourquoi il a voulu que je puisse vous faire tenir debout. Donc on dit, mais il fallait toujours un papa. Ah, est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors? Ok, pas trop là. J'aimerais que vous fassiez quelque chose avec moi. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît? Père éternel, pour la grâce que tu nous accordes, est-ce qu'on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît? Pour la grâce que tu nous accordes, nous voulons te vivre. Pour les écluses des cieux que tu ouvres, nous voulons te vivre. Ouvre-nous les yeux afin que l'on voie comme toi, que l'on marche comme toi et que l'on parle comme toi. Alors que tu le fais, je prie que le Seigneur t'accorde la sensibilité et la capacité de voir et de l'écouter. Faites-le très bien. Je prie pour les yeux de tout un chacun, que Dieu nous accorde la capacité
de l'entendre et de le voir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tobetili susu maboko makasi 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 makasi. Te maboko tobeti ponga na sengi. Mesiko na sengi tobeti la Yesu Kristu maboko makasi makasi makasi.